Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de The Technomancer. Je vous mets la lumière dans la face, ça vous dérange pas madame? Ça a l'air d'aller pour autant. D'accord, bon. On va aller voir un certain commanditaire. C'est mieux si je prends ma souris, mon pad. C'est plus facile pour moi. Crac, voilà. Car oui, je préfère le jouer au pad, hein. Comme je l'ai pu le faire avec un Batman, etc., etc., etc. Ce serait toi? Ou toi? Excusez-moi. On chie un peu. Il y avait des poubelles à côté de la prostitute. Bon, bonjour. Oh, ce serait tellement toi. Ah, non, même pas. Toi? Soldat d'élite, bonjour. J'ai deux witnesses qui me disent que tu es derrière Derek Labor's death. Why'd you do it? Shit. Why did I do it? You know how much that little bitch cost me in serum? Papa's little ass was supposed to go down in the last fight. But no. He decided he needed to follow the rules. Being a pathetic labor who started winning fights swelled his head. Arrogance went a long way in the arena. You get hurt outside of it though, he was supposed to lose. He did it. That hurt me really bad. So. I made an example of him to other fighters who think they can think for themselves too. D'accord. T'es un mec d'élite. Je t'arrête. You're under arrest for the murder of Derek Labor. Yeah, sure. You and what army officer? Get out of here. T'es en solo? Ah non, il est pas en solo. Loin de là. Oh la gueule! Oh la gueule! Oh la gueule! Ok! Ok! Excuse-toi! Ça va être chaud! Je pensais qu'il était en solo, mais non, hein, même pas! Hein. Pourquoi venir en solo? Pourquoi venir en solo? Bon bah on va s'y mettre violemment alors. L'ami. Alors déjà on va sauvegarder ici. On va virer la souris aussi. Hop. Crac. Voilà, bon. Toi. Je t'arrête. Ça ne l'arrête pas, d'accord. Oh. Oh la gueule, les coups que je me prends. Hop. Hop. Boum. Je me le suis pris celui-là. Ce qu'on appelle se prendre un pruneau. Hop. Boum. Tiens. À ton tour maintenant. Vas-y, viens, je t'attends. Boum. Hop. Ok. Boum. Raté. Crac. Alors en 1v1 ça fait beaucoup moins le fier. Hein. Arrêtez le soldat. Et avant ça, j'aimerais d'abord récupérer ce qu'il y a sur ses copains. Hop, merci. Avant qu'ils ne disparaissent, imaginons. Uniforme de soldat d'abondance complet. Ouh. Ouh, ça me plaît ça. Et on l'arrête. Malheureusement, nous allons devoir raconter à sa fiancée ce qui est arrivé.
D'ailleurs, on va faire les choses bien, malheureusement. On éteint la lumière. Hop. Madame, vous avez une poubelle remplie d'objets qui m'intéressent. Merci, madame. Bonne journée, madame. Travaillez bien, madame. Madame, par contre, là, ça va être beaucoup moins drôle. Miss, I don't... There's no easy way to say this, but... I found your fiancé's body. The Vori killed him over some rigged bets. No. No. No! Derek! I arrested the man responsible. He's in jail now. And that doesn't bring Derek back, but... At least the guy who did it will pay. Thank you, officer. I... Thank you. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux, madame. Bon. Niveau 9, un point de compétence et un point de talent. Ça, c'est bon à savoir. Alors, on avait vu aussi par là... Prochaine plus rapidement après l'essor de technomancie. Ça peut être intéressant. Je sais pas, il y a pas... D'accord. Ah oui, on voulait augmenter ça aussi. D'accord. On va commencer plutôt là-dessus. Faisons, augmentons les dégâts des compétences. Ça peut être sympa. Et donc ici, on a un point à mettre aussi à droite, pardon. Et donc on a mis un point ici, on a mis un point ici. Si je mets un point en crochetage niveau 3, ça peut être pratique. Cependant, on a des gros problèmes. De charisme donc, on a des gros problèmes de charisme et ça, d'argent aussi. Charisme, allez hop, on commence par charisme. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Bon, la suite. Alors, qu'est-ce que... Cette animation était moisie parce qu'elle remontait quelque chose qu'elle ne porte pas. Ok, pourquoi pas. Donc ça c'est fait. On a pu aussi voir que l'autre trou du cul, là, il m'avait pas donné la récompense de la suite de l'aventure, en fait. Donc c'est peut-être lui qu'il faut que j'aille retourner le voir. On est à combattre. D'accord. Alors ça on l'a vu, mais vous voyez que la quête en fait n'était pas passée à la prochaine. Donc je pense qu'il faut qu'on entame quelque chose d'autre. Je pense qu'il faut qu'on entame quelque chose d'autre. Hop, sauvegarde en cours des fois qu'il nous entame un combat. Information sur la compétition. Non, apparemment je ne peux rien faire de plus. Ok, cependant on a un établi juste ici. Ça pourrait être intéressant d'augmenter un petit peu notre armure. Blouson des Vori, je le vire. Blouson des Vori léger, je le vire. Médecin, je garde. Chemise d'artisan, je garde. Veste d'aspirant. Régénération de fluide. Ça, je garde. D'accord, ok. Blouson des Vori complet. Épaule. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Oh. Oh. Intéressant. Ça me plaît. Je prends. Métal de qualité, cuir de qualité, quincaillerie. Ça coûte cher, dis donc. Bras. Ça c'est moche par contre, hein. Soyons honnêtes. C'est atrocement laid, mais je vais le mettre. Ça va bien augmenter ma défense normalement. Ici, des technomans, j'ai déjà mis un truc. Non, j'ai rien mis dessus. D'accord. Écoute, on va les mettre. Hop. Et ça, ça s'améliore comment? C'est moche comme armure, hein. Ouh là là. C'est assez moche comme armure. Mais je conçois que ça puisse être utilisé assez. Avec son dégât niveau 3. D'accord. Niveau 4. Oh là là. Dommage qu'on ait pas de capuche. Moi j'aime bien mettre des capuches. Bon, on a une espèce d'armure maintenant, c'est cool. C'est toujours ça de prix, on va dire. Hein. Alors, la suite. Il faut qu'on aille voir un marchand qui est dans la région. Qui est dans la région, à qui on doit dire qu'il que sa marchandise est disponible à la caravane de notre ami l'italien là. Ferruglio, je sais plus trop quoi là. De Super Mario quoi. Ok. Par contre là il y a un truc. Ethan Host. Enquêter sur la jeune fille amnésique. Oula. Ah oui, le barman.
Hey there. Hey there back. What can I do you for? Avez-vous des informations sur une jeune fille amnésique? In a pretty bad state. Doesn't even remember her own name. Figured since you know everyone in the area, might see what you knew about her first. Let's see here. Sure, yeah, I know the broad, or at least her face. Though I gotta say, she's a fuck sight prettier in person. She's one of those Black Dahlia girls. Gang of bitches always hanging around the area, starting shit with the Vori. Probably got her fucked up in the end. Play with fire enough, gonna get your ass burned eventually, you know? You got a map? Il préfère rien savoir. I'm hanging around here. Got a leader too, but who she is or where she is, I ain't got the damnedest. Fair enough. Thanks for the help. Ok, trouver le gang des Black Dahlia. C'est joli comme nom. C'est très joli comme nom. On va aller voir ça, mais d'abord on va quand même regarder sur la carte ce qu'il y a dans la région. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quête? On a ici prévenir le marchand des bas-fonds, d'accord. Et ici donc les Black Dahlia, c'est ça? D'accord, bon, on va faire les deux. On va commencer par le marchand. Et ensuite, on va remonter. Alors, crac. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Alors, bonjour. Hey there. Officer, hello. What can I do for the fine officer today? Check out my merchandise. I have everything you'd ever need for hunting. Eh, mais je ne suis pas là pour chasser, malheureusement. Prévenir de l'arrivée de Fiorello. Hey there. Just came by to let you know Fiorello's back in the exchange, and he's got your merchandise. Now that is some very good news. Thank you. I'll send my assistant right away. Parfait. Merci à toi. Et donc nous avons le gang des Black Dahlia à aller voir. Ce qui peut toujours être intéressant. Hein. Monsieur le roi des trous du cul en personne est toujours là. Là il y a un coffre. Alors je pense que le fait de trouver du butin supplémentaire n'est vraiment pas de trop. Il faudra vraiment aussi qu'on aille voir dans... C'est glauque par là, dis donc. Ah bah. Comme ça. Hop. Ah, vous êtes carrément agressif, vous, hein. Oh, joli. Hop, toi, t'es hors de combat. Ok, faut pas hésiter à esquiver du tout. Hein. D'une violence. Hop, on gaine, pardon. Hop, voilà. Je ne vous achèverai pas, vous inquiétez pas. Je prends juste le sérum que vous aviez sur vous. Bonjour. Je viens pour discuter. Je viens pour discuter. The fuck? Comment elle a fait ça? Oh la vache. D'accord. Raté. Hop. Oh la vache. Ça fait tellement mal. Vache! Elle m'a tué. Chargé la dernière sauvegarde qui doit être d'il y a 15 minutes. Waouh! Et c'est incroyable ces combats. Hein. Je sais bien que je suis tout seul. Non, pas tout. Attends. J'en sors ou j'en rentre là? J'en sors. Ok, faut juste que j'aille revoir le marchand. Pouah! Si j'avais su. Et je crois que je me suis encore planté dans une des touches. Les fameux combos de soins me sont pas intuitifs, on va dire. Oui, bonjour. Hop, tiens, cadeau. Voilà. Hop, on passe par là. Vous, je vous veux rien. Laissez-moi tranquille. Manquerait plus qu'eux, ils viennent me chercher derrière.
Ça va, ils ont... je les ai perdus, c'est bon. Pouah. Sauvegarde, parce qu'ils sont juste après. Alors. Hop. Hop. Joli. Oh, bien sûr. Mais bien sûr. Hashtag l'esquive. C'est inné. Voilà, couchez-vous. Oh putain. Ah, j'ai même pas le choix, hein. J'enchaîne les deux combats. Aïe. Tu me fais chier toi, Simone. Boum. Voilà. Fallow. What the fuck, chief. Ça a clairement un rapport avec Phallus, hein. You want Mara? What are you? Fuck. Fuck it. Ain't my fight. You'll find her there if you want to find her. Hope she gives you what you're looking for. D'accord. C'est très bizarre comme dialogue encore, hein. Bon. Quelqu'un? Pistolet robuste, je prends. Et donc du coup, elle est où? Putain, ces combats sont des difficultés. Ça me troue le cul, je suis désolé, hein, mais honnêtement, je m'y attendais pas. On va y aller en sneak. Pourquoi? C'est le fait que ce soit marqué comme ça me m'intrigue un peu. Le fait que ce soit marqué comme ça m'intrigue même énormément. C'est pas là-dedans, je suis trop con. Je suis trop con. Ok. Yo. Hop. Bonjour. You Mara? Yeah. What's it to you, dick? Charming. I helped the young lady escape from a warehouse where she was being tortured. She can't even remember her own name. Wow, you're a hero. Thanks for the story. She was one of yours. You found Talia? If you found her, fuck. This would be the first damn time I'd ever tell any guy anything. You bring her here, whether she remembers herself or us or not, if it's her, she's one of us. Family. So yeah, we'll take care of her. And the assholes who fucked with her too. Je vous la donne. There's a merchant in the exchange quarter. Name's Fiorello. He's been taking care of her. Send someone to get her. Tell him I sent you. And what's your name? To tell him? Zachariah Mancer. A good name. One I won't forget. We don't have many friends with dicks around here, but I'd like to consider you one. Thanks for bringing our sister back home. Bye, Mara. Ah, oh, c'est bizarre comme quête. Je pouvais... D'accord. J'ai rendu une voleuse, donc techniquement... Non, non, je... pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Non, non, honnêtement, j'ai fait ce qu'il fallait faire chez moi. Pour moi, c'est clean. Je suis clean. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ni plus, ni moins. Ok, ça me semble bon. Est-ce qu'il nous reste des choses à faire dans la région? Alors, map. Sors là, la map, s'il te plaît. Merci. Ok, dans la région, apparemment, il n'y a rien d'autre à faire. Il y a lui, là. Scott Seeker. Oui, c'est un... C'est une personne d'intérêt qui s'appelle ça... Allez comprendre. On va remonter, cela dit, on est où? On est juste là, ben on va remonter ici. Alors, attendez, si je peux zoomer.
C'est à moitié chaud, voilà, d'accord, vous voyez, donc là c'est pas bon. Il faut que je remonte. Oh là là. La carte est chaude à déchiffrer, hein. Faut vraiment tourner autour tout le temps pour voir les moindres petits reliefs. Ok, c'est bon. T'enfuis pas, hein, ce n'est que moi. Ce coffre est ouvert, oui d'accord, ce coffre est ouvert. Ok. Celui-là ne l'est pas. Niveau 1, on doit pas trouver grand chose dedans à mon avis. Hop. Ah quand même. Casque de mineur. Why not? Why not, why not? J'aime pas les casques. Ok. Ok, 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 ok. D'accord, bon, j'aimerais bien trouver des équipements un peu mieux que ça. Malheureusement, c'est pas prévu pour l'instant. Apparemment, hein, le jeu, de toute façon, on n'a pas vraiment avancé dans l'histoire principale. On fait plein de quêtes secondaires. Et c'est pas plus mal parce que si on fait ces quêtes secondaires et qu'on gagne le niveau et qu'on a plus de facilité à répondre aux, comment, aux différents prérequis dans les dialogues pour utiliser par exemple comment, le charisme ou les compétences de science ou d'artisanat, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on a dans la zone à faire? Ici, on a équipé son groupe avec Daniel. Maintenant, on va retourner voir Fiorello. Ça, c'est Fiorello, d'accord. Ici, il y a Yann, Maître Connor, à aller voir. Et normalement, il y en a une troisième ici. Ryan Stewart, oui, effectivement. On va commencer par lui, je pense. Ça va être sur notre gauche. D'accord. Ok. On y va. Hop, voilà, et ensuite ça va être par là. Et tout au fond. Une fois qu'on sera au fond, à droite. Tiens, girls. Ah, donc il y en a bien. Je vous en parlais dans le précédent épisode, chers amis. Je voulais voir s'il y avait des vis ou pas dans cette partie supérieure de la ville. Et effectivement, il y en a. Hein. Ok. Putain, je sais pas ce que c'était que ce bruit, c'était bizarre. Oh. Alors du coup, ça se passe ici, me semble-t-il. Bien là, on est d'accord, hein. La caserne. Oui, c'est bien là, c'est bon. Yo, alors ça c'est ma chambre. Est-ce qu'on s'y reposerait bien au moins quelques heures jusqu'à l'aube. Une bonne grosse nuit. Ce qui va nous permettre d'avoir un maximum de bonus d'XP. Hop. Ok, par là. Yo les filles, vous allez bien? Famille, les amis. Crocheté, verrou niveau 2, ça m'intéresse. Injection de chemin, pistolet robuste. Why not? Ici, il y a un truc à verrouiller aussi. C'est crochetage niveau 2. Bah, je peux crocheter aussi alors. Je me suis trompé le bouton. Métal de qualité, tant mieux. Alors bonjour, vous êtes... Ah, vous êtes ma chef. Ok, non, je ne vous parle pas tout de suite. Bonjour. Vous ne m'avez pas vu, j'arrive plus tard. Je reviens vous voir plus tard. Te voilà, l'ami. Eh bien, je trouve que j'ai un message d'un marchand. Merchant just delivered this for you. Said he's got more merch you may be interested in too. Oh, good. Bastard finally showed up. Damn foreigners. Good thing they're better at making deals than they are at minding their clocks or calendars. De rien. On peut retourner voir Fiorello si on veut. Y'a pas d'autre chose à fouiller dans le coin? J'imagine que non. J'imagine que non. Alors ici, par rapport au campement, on est, par rapport au truc, on est où? D'accord. Ok, ok. On reprend par devant. Je vais appeler le premier à droite. Hop. Effectivement, ça fait beaucoup de quêtes FedEx un petit peu. On se déplace un peu pour rien, je trouve. Hein. On est à une époque où cependant il n'y a pas de téléphone. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors. Voilà. Hey there, Fiorello. Ah, the one, the only, Zachariah Mancer. A pleasure as always. What brings you here this fine day? Déjà, on va regarder tes marchandises. Est-ce que tu n'as toujours pas d'armes, d'accord. Ok, j'aurais dû faire retour. Tiens, pour la jeune femme.
Ça, on l'a déjà eu. On en a déjà parlé, cette fille. C'est fini, cette fille. Rendre une mission. Rapport sur les clients à prévenir. Faire son rapport sur la jeune femme à musique. That is great, great news. Not for her, unfortunately. Turns out she was part of a female gang trying to come together as a rival to Anton Rogue's outfit. Fight barely lasted a round, but clearly it annoyed Anton enough to have one of them kidnapped and tortured to send a message. So what happens to her now? You're sending her back to her friends. One of the girls will probably come get her. What's the point of trying to hold her accountable for things she doesn't even remember? And she's already suffered enough. Tout à fait d'accord. Surprise me, officer. Open-minded, compassionate. A rare breed in your field of work. Sad to think she will just return to the streets. But what's to be done? Here, take this, for all your trouble. I hate to risk exploiting your kindness, but if I may. Go on. Since our little misadventure the other day, mm-hmm. I'm always looking over my shoulder. Feeling that those mob types are breathing down my neck. Fearing I'm less protected than I ought to be. And you want bodyguards? In a sense. But understanding that no ordinary citizen of abundance would suffice, and that such a task for you would be an insult, I was thinking that perhaps a strong mutant might do the trick. Word goes around that one might be able to make such an acquisition from the mutant pen in the slums. Allons, clou! If you might make the trip for me, I could compensate you for the price of both the mutant and your time. I'll see what I can do. Thank you. D'accord. Again, thank you. Pourquoi pas? Faire son rapport sur les clients à prévenir. I found your clients. Told them you had their merch. They'll come pick it up as soon as they can. Thank you. Thank you so much. Please, take this. As a token of my appreciation, it is not much for all you've done for me, but it's something. En fait, c'est sympa, le jeu vous oblige à faire des choix. Donc ça, c'est pas bête du tout. J'irais même jusqu'à dire que ça me plaît. Cela dit, vis-à-vis de tout ça, j'aimerais retourner voir notre ami le chef, voilà, ici. Et pour ça, il faut que je reprenne la première à gauche. D'accord, que je revienne là. Ok. Ouais. Le jeu vous oblige à faire des choix, en fait. Par exemple, là, le mutant, est-ce que je le considère comme un esclave que je peux acheter? Ou est-ce que... Voilà. Et il vous oblige à prendre ses choix. Ça, c'est particulier. C'est assez particulier pour mériter d'être mis en avant. Alors, j'ai pas trop vu par où fallait que j'aille. Par là. Hop. Parce que dans un jeu classique, en fait, vous auriez la capacité... de vous dire non, je ne vais pas, par exemple là je peux très bien dire je vais pas aller faire la quête, mais la quête est déjà prise, vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis curieux de voir comment ça va se gérer. En tout cas, l'univers est vraiment bon. En tout cas, pour un jeune officier, j'ai beaucoup de boulot, hein. Putain, pour un jeune officier, j'ai énormément de boulot. Ok, bonjour. Ah, c'est, regardez-moi ça. C'est, alors, c'est particulier, hein. C'est, vous voyez, c'est tout est en gris, tout est terne presque. Mais je trouve pas ça terne, en fait, justement. Je trouve ça. On va bien voir. Ah, je crois que c'était lui, Maître Connor. Non, c'est Sean. On va parler à notre maître d'abord. Vous devez aller voir votre capitaine right away. She is waiting for you at the barracks. I will be happy to talk about your progress later. But I don't want you to get a penalty early on in your integration. Mais je vais en recevoir une tellement goodbye, grosse. Sean. Goodbye, Zach. Be careful. Hop. Grand maître. Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? Les missions. Est-ce qu'on avait déjà lu ça? Do we know what forces Aurora deployed to protect the site? Non, on l'a pas lu, ça. The greatest challenge shall be their own technomancers. I am certain they'll be supported by numerous soldiers and laborers willing to lay down their lives in their defense. But I have faith in you, Zachariah Rogue Mancer. Endowed with the intelligence and adaptability that both your names imply, you always find a way. And I wouldn't be surprised if you come out the other side having made new allies. Je l'espère. Ok. Et demandez où se trouve le maître Connor. Master Connor. Any idea where I can find him?
He headed down to the Underworks, needed to get some supplies from our warehouses. If you're going there, take the elevator near the barracks. Opens up close to the warehouses and will save you some time. It's a real maze down there. Thanks for the tip. Merci. Ok, on y va. On y va, on y va, on y va. J'ai pas envie de perdre mon temps avec cette histoire. Donc on va y aller, on va finaliser ce truc là. Et ce sera bon. Ok, on ressort. On passe. C'est bon, c'est sympa de le voir ce truc là une fois, deux fois, mais sinon... Alors est-ce que cet ascenseur c'est celui-là ou oui, c'est ça? Ça doit être ça. Alors, ok, on y va. Il me semble que les sols en plus étaient pleins de... Ah, c'est fermé? Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, bon, bon. Il me semble que les sols c'était assez chaud quand on y allait la première fois. Excusez-moi. Merci. Ici aussi, il me semble qu'il y avait des trucs fermés partout. Hein. De mémoire. Non? Ah bon, tout était ouvert. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Pas ça, c'est pas l'ascenseur qui est ici? Je pensais qu'il y avait un ascenseur juste à côté. Non, ça va être ça. C'est celui-là. C'est celui-là. Ok, on y va. Ah oui, la petite porte qui était bien entrouverte. Non, ça s'ouvrira pas là, ici. C'est dommage. Là, je peux pas traverser, je crois. Oh, je pourrais, remarque. On va plutôt passer par le... Par le marché, c'est plus sympa. Je vais traverser la caserne pour aller... Enfin, c'est pas parce que je... Imaginons que la mairie soit de l'autre côté de l'église. C'est pas parce que je vais aller à la mairie que je vais traverser l'église, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oh non, on passe par la route, hein. Enfin, par le trottoir, techniquement. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule zone avec des véhicules. C'est pas ici, hein. C'est bon, d'accord. Non, c'est juste après. Ok. Non, je crois qu'il a dit que c'était pas à côté de la chapelle mais à côté de la caserne. Donc du coup oui, c'est moi qui me suis planté dès le début. Voilà, on y est. Allez dans les sous-sols. Et nous chers amis, nous allons nous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dans votre lien d'arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo. Bon bah, gang de femmes, ce sera le nom de l'épisode.